Bienvenue YouTube. J'espère que vous allez bien, c'est Elphoris, petit gamer Manflo à votre service. Bienvenue dans l'épisode Je ne me souviens plus. Oui, on est à même pas 3 minutes entre les deux épisodes pour moi et pour Twitch. Mais je me souviens plus de quel épisode on est. Je crois que c'est le 8, mais je suis pas sûr. Si vous voyez un autre chiffre, hein, bien évidemment dans le titre, c'est que c'était pas ça. Et donc on va continuer à avancer avec le petit lapin blanc qui est toujours en retard. Et voir un petit peu où toute cette histoire nous mène. La petite fille est clairement avec un psy. Mon énervé, d'accord. La petite fille est clairement en train de discuter avec un psy, un psychologue. Ou un psychiatre, hein. La différence est notable, je vous rappelle. Genre, vraiment notable. Vous faites des remarques. Bah oui, c'est un peu son boulot, en fait, au psy. Des remarques. Est-ce qu'elle peut sauter dessus? Quel con. Désolé. Si c'est pas ça, écrivez-le en commentaire. Évidemment, couleuvre. Évidemment, si c'est pas ça, écrivez-le en commentaire, ça va de soi. Mais là, je vais mourir si je me... Vous faites des remarques, vous continuez d'observer, et elle n'aime pas qu'on observe, je vous rappelle. C'était bien ce que je pensais. Alors, attends. C'est qu'est-ce qu'on doit faire? Je crois que je l'ai en vrai. Ou pas. Ou vraiment. Parce que je n'en ai aucune fucking idée de ce qu'on doit faire. Ah oui, d'accord, ok. Si. Ah, on peut passer par là. On peut même pas passer par ici? Non, d'accord. Il faut qu'on. Ah, attends. Il y a un truc que j'ai pas vu, je crois. Et c'est bien ce que je pensais. Ok. Alors attends. Ok, mais sinon, comment nous on passe? Parce que bon, que elle passe soit, mais nous. Ça marche pas. Alors attendez, on va refaire comme ça, voilà, comme ça elle passe là. Mais la question c'est vraiment et après quoi. Comment la petite fille ici pense? Bah oui, ça fait mal. Évidemment, ça fait mal. Parce que toi, t'es passée. T'es contente? On est parti, ouf. D'accord, j'ai eu un trophée, mais je ne sais pas pourquoi. À mon avis, ça doit être con comme la lune. Il faut absolument que je monte là-haut en fait, mais je ne peux pas monter là-haut. Comment est-ce que je monte? Parce que c'est ça la question principale quand même, c'est comment est-ce que je fais pour monter? Parce qu'il est là le problème principal, c'est que je peux pas monter parce que... Enfin... Allez, là je vais mourir du coup. Alors attends. Retourne là-bas 2 secondes. Parce que c'est ça en fait qu'il faut que je fasse. C'est que je la fasse monter là-dessus. Ah attends. Qu'est-ce que ça change ça?
Ok, il faut que je fasse passer les deux. Alors attends voir. En fait, faut que je... Mais je peux pas mettre les deux en même temps, c'est juste pas possible. Attends, qu'est-ce que ça faisait? Parce que, franchement, je suis en train de me prendre la tête. Et ça se trouve, c'était vraiment... Je l'ai pas vu. Et je suis super gros con. Mais, putain, mais oui, effectivement, je l'ai pas vu. Et je ne suis qu'un gros con. Alors attends, je sais. Oh putain la vache. La prise de tête. C'est donc un level design bien pensé. Voilà. 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 Le problème, c'est que, évidemment, évidemment, là, elle meurt. Donc non, il faut bien que je mette. Il faut bien que je mette la boîte. Non, parce que là, si je pousse, c'est mort. Si je peux me permettre. Parce qu'elle, elle peut pas sauter dessus là. C'est trop haut. D'où est-ce qu'elle peut sauter sur la boîte? C'est chiant. C'est très très chiant en fait. Parce qu'il faut que je la refasse. Faut que je la refasse passer de l'autre côté. Alors qu'on avait réussi à la faire passer avant. Hein. D'où est-ce que je peux... Comment est-ce que je peux faire en sorte que l'ombre saute dessus? Qu'est-ce que j'ai oublié qui pourrait m'aider? Parce que j'ai bien oublié quelque chose là qui pourrait m'aider. Ah oui, mais là je peux pas. Attends. Oh putain, c'était aussi con que ça. Waouh, je m'en veux énormément. Mais alors vraiment, c'était facile en fait et je suis juste con. Sterné. Esternant. C'est bon. Là maintenant je vais pouvoir y aller. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, que je suis débile. C'était tellement simple à la base et j'ai tellement fait de la merde. Non, c'était pas ça que je voulais faire, même si bon. Ça aura son importance juste après. Je ne peux pas continuer ainsi. On se porte mieux sans vous. Vous ne m'entendrez plus si vous ne le voulez pas. Je ne suis pas sûre qu'on devrait faire ça. J'ai eu une petite peur. Tu sais, j'étais jamais allée aussi loin avant. Ils avaient peut-être raison. Je sais.
suppose que je connais pas vraiment cet endroit. C'était mal de faire croire que si. Mais je préfère être seule avec toi qu'avec eux. C'est gentil. Mais on est complètement perdus maintenant. Je peux rien faire. Je suis désolée. Attends. Ah voilà. Le bateau. Le retour du bateau. Mais elle est un peu coincée de l'autre côté, non? Putain, merde. D'accord. Silence. Silence, je vous tue. Ah merde. Ah, je vais rater un truc là, c'est sûr et certain. Attends, on va. Non. Non. Ça monte beaucoup trop loin. Mais non. Mais putain. Mais non! Monte, je te... Oh là 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 là! Hé! Non! Oh. Bon, ça m'énerve, j'ai envie d'avancer. Mais on a raté un... On a raté un Zozio. C'était pas Zozio le plus simple, hein. Genre vraiment... On est perdu. Et tu viens peut-être de repousser notre seul guide. Ils étaient méchants. Acte 3 ? La première fois que tout s'est cassé, c'était probablement ma faute. Maintenant, c'est ta faute si nous sommes perdus. Ok, et eh ben écoutez, il est quelle heure? 21h11. On va continuer. Ils étaient méchants, ils arrêtaient pas de nous donner des ordres et c'est ma faute. Pas vraiment. Ah, ça va avoir son importance, je pense. Ils étaient méchants. Les choses étaient juste déséquilibrées. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh! Le moment était venu pour nous. De demander de l'aide. Ils étaient là pour nous. Ils m'ont fait du mal. T'es de leur côté? Ils m'ont fait du mal? Tu dois comprendre. Ils étaient notre guide et tu les as repoussés. Et alors? Intéressant tout ça. Tout cassé. Il y a une petite notion de temps. C'est juste dingue ce truc. C'est peut-être pas ça qu'il fallait faire d'abord.
Quoique si, attendez. Ça marche pas. Et si je fais ça? Non, alors c'était pas la bonne idée. Il fallait peut-être le faire de l'autre côté, je sais pas. J'avoue qu'il tient en haleine. Mais c'est ça, tu veux absolument savoir ce qui arrive à cette petite fille. Pourquoi elle réagit comme ça? Pourquoi... Enfin, qu'est-ce qui se passe exactement, quoi? Non! Oh, attends. Parce que là, ça change rien après, c'est... Oui, c'est ça. Oui, je l'ai, le petit décalage planche nord, planche rouge, je le vois bien, mais je sais pas comment passer, en fait, parce que je sais qu'il est là. Ah. Mais si je fais ça... Attends, ça y est, peut-être là. C'est de l'autre côté qu'il faut faire ça. C'était aussi simple que ça. C'est moche. Ça m'a retourné le cerveau, je crois. Puis je crois que ça m'a clairement retourné le cerveau. Attends, je suis en train de refaire la même connerie que je ne voulais pas faire. Oui, c'était un bruit, c'était écrit bruit inintelligible. Je me demande aussi, mec, mais je sais pas. Vraiment, je pense que c'est le fait que la petite fille ne veuille plus. Ne plus. Tu veux sortir de quoi ? À ce point-là, même si ça me fait du mal ? Je ne voulais pas te faire de mal. Si tu le voulais, c'est... Entrer quelqu'un. Bah voilà, c'est ça en fait. Tu n'écoutes pas. Tout est de ta faute. Ah, ça y est, elles se reprennent la tête. Apparemment, c'est pas la première fois qu'elles font ça. Tu as blâmé. Tu as persisté. Je me demande ce que... Non. Moi aussi, je me demande ce qui se passerait, mais... Tu as accusé. Putain. Tu t'es isolé. Laisse-moi juste t'expliquer. Expliquer quoi? Ce que j'ai voulu dire par là. Je suis désolée. Je ne croirai jamais tes excuses, d'accord? Tu dois comprendre. Je dois sortir d'ici. Oui, mais la question c'est qui doit sortir d'ici et pourquoi je devais avancer. Attends, quoi? Je dois changer, je devais avancer. C'est intéressant ça comme concept, je devais avancer. Il y a une manivelle en haut. Ah, voilà. Ah, attends, c'est bon. Non, reste là. Non! Si, il faut que je reste ici, que je fasse ça, ça et ça. Tu as?
Il y en a deux. Non, attends. The fuck. Attends. Je n'ai pas compris. J'ai pas suivi là. Parce qu'il est là. Il est juste là. Non, je suis pas en vacances. J'étais en vacances les deux dernières semaines, brutalement. Je suis pas en vacances. Qu'est-ce que j'ai manqué encore? Parce que je pensais vraiment que... Non, là, je suis revenu au début. Comment on l'a, lui? Parce que là, on n'avait rien à placer. Hein. Vraiment, c'était juste... Comment on l'a, lui? Ah, attends. Tu ne penses pas par toi-même, tu n'essayes pas par toi-même, tu ne... On verra la suite après. Parce que là, il est là le coucou, mais on peut pas aller le chercher parce qu'on est coincé, on peut pas tomber. Attends. Non, on peut pas sauter pour la voir, ni d'un côté ni de l'autre. C'est perturbant. Comment on pourrait faire pour la voir? À moins que je passe de l'autre côté d'abord, mais ça n'aurait aucun sens. Parce que là, je peux rien faire. Et là, je peux pas la voir, on le sait déjà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai oublié? Je regarde, hein, mais... Ah, attends, elle peut se cacher ici. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison pour qu'elle se cache? Un truc. C'est, je vais regarder comment la lumière elle avance. Alors si on peut faire un truc un peu spécial, mais pourquoi pas. En fait, une fois qu'elle est en haut, on peut se mettre là. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Pas. Hein. Il peut toujours pas aller chercher le truc qui est là. Question à la con. Mais alors vraiment question à la con. Que je fais ça, il se passe quoi? Bah rien en fait. Absolument rien. Je comprends pas. Je comprends pas comment avoir celui-là de Zozio. Je ne sais pas comment la voir, donc tant pis. On va pas passer 15 ans dessus, je... On la remettra plus tard. Donc tu ne... Tu dis toujours que t'as besoin de plus de choses. Pas moi, j'ai juste besoin de mes amis, de
de mon château et de mes livres. Au vu des voix, est-ce que ça pourrait être... Arrête de me suivre. Je veux être seule. Non, je ne te laisserai plus seule. Je n'avais pas le choix. Est-ce que... Je suis en train de m'excuser et tu n'essaies même pas de m'écouter. Essaie encore, au moins un peu. Essaye encore. Je te demande d'essayer encore, vraiment. C'est toi qui me demande d'essayer encore. Parce que je suis en train de me dire, est-ce que ce serait pas du tout sur l'anxiété ou quoi que ce soit, mais sur le fait de devenir adulte. Qu'est-ce que tu veux? Je t'aiderai plus. T'es toute seule maintenant. Syndrome de Peter Pan. Je ne fais jamais ce que je veux. C'est toi qui es têtue et qui persiste à vouloir tout faire toute seule. Tout ! Alors attends, il y a quelque chose que j'ai raté parce que j'ai pas avancé assez vite, je pense. Si tu veux, je t'aiderai plus. T'es toute seule maintenant. Je ne fais jamais ce que je veux. C'est toi qui es têtue et qui persiste à vouloir tout faire toute seule. C'est plus par là qu'il faut que j'aille. Voilà. Voilà, je suis obligé de tomber, je pense. C'est ça. Oh, ça prend le crâne un peu. C'est, mais c'est super diffuse. Oh, je suis pour le dire, hein. Mais le concept de ce jeu est juste fou en fait. Tu vas vraiment continuer de te comporter comme ça? Tu vas me laisser faire tout le boulot à ta place? Dingue, ce jeu est dingue. Je comprends que j'ai peut-être commis une erreur. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ça n'avait pas l'air très sincère. Allez, arrête de m'ignorer. Elle m'entend mais ne répond pas. Oula! Des conseils peut-être? Je montre mon hésitation timidement, vaguement. Elle permet tentation de prendre le contrôle et de façonner toutes les décisions. Mon hésitation. Ok. Où est-elle allée? C'est la question. Ok, là on peut pas. Donc il faut que je fasse différemment. Faire comme ça. Toc, toc. Hello. Oh. Encore le toc toc toc. Eh ok. Tu ne regardes même pas en arrière. Pourquoi? Il y a quelque chose? Oh. Oh la gerbe! Oh le gerbotron! Oh le gerbotron! Oh la vache! C'est infini. Et bon. Suis-je en train de tourner en rond? Sûrement, oui. Et encore des bruits inintelligibles. Quels sont ces bruits inintelligibles qu'on entend?
vais dans la bonne direction? Où es-tu? Nulle part. Tac, tac. Je ne peux même pas être seul, je ne peux même pas faire ça. Ah, ça y est, on peut la récupérer. Ben voilà, tu vois, tu fais la gueule, mais tu sais bien qu'il faut continuer à avancer, petite. Où étais-tu? Que faisais-tu? Rien. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir le choper, celui-là? Attendez. Ah! Non! C'est pas ça que je voulais! Ah, shit! C'est vraiment des... d'aller là-haut. Alors attends. Si là il y a quelque chose de précis à faire. Ah, ça ouvre juste la porte, ça. Alors laisse ça fermer pour l'instant. Ok, ça, ça fait juste ça. De voir un peu. Ah merde. J'ai raté ce que je devais faire en fait. Ouais, mais là ça mène que là et c'est tout. C'est pas ce qu'on veut. Attends, en vrai. J'essaie de découvrir comment avoir encore une fois l'oiseau là-haut. Mais je n'en ai aucune fucking idée. L'oiseau qui est là-haut, là. Il y a bien un moyen. Il doit y avoir un moyen de monter là-haut. Possible autrement. Là, on peut pas passer. C'est peut-être pour plus tard. Écoutez. Je sais pas, c'est peut-être plus tard. Parce que je vois pas comment. Ah, y a rien de particulier. C'est sûrement plus tard, je pense. Si c'est pas le cas, bah écoute, n'importe quoi. Si c'est pas le cas, bah on aura raté un truc et puis voilà, hein, qu'est-ce que les gens disent. Ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier. Hein. Ok. Je suis fatiguée. Parfois, j'aimerais juste être seule. J'aimerais juste avoir un peu de silence. Mais je croyais que tu n'avais besoin que de tes amis, Mais je croyais que tu n'avais besoin que de tes amis, tes châteaux et tes livres. Qu'est-ce qui a changé? Tranquille quand je leur demande. Et le problème, c'est que je ne le fais pas, c'est ça?
Désolée. Elle est toujours désolée. Tac tac. Suis-je un handicap ? Dernière question. Suis-je un fardeau ? Je pense que faut essayer de... Absolument pas. Ah voilà, faire comme ça. Wow, c'est plus stylé sa mère. C'était très très stylé. Je peux aller nulle part, à part vers toi. Suis-je un handicap ? Suis-je un fardeau ? T'es juste un peu lourde. T'es juste un peu lourde. De plus en plus lourde. Quoi que ça peut toujours être l'anxiété, hein. Ça peut toujours être l'anxiété enfantine. Oh, quel con. Ah ! Je me suis planté. Faut qu'on recommence. Faut que je passe de l'autre côté. Voilà, faut que je passe par là. Comme ça. Ok. Et on va faire passer la petite fille. Un peu bruyante. T'es un peu lourde. T'es un peu bruyante. T'es un boulet. T'es chiante. Ça va? Tu voulais pas en faire plus encore? Ah oui, il y a la notion du temps très présente là-dedans. C'est pas mal parce que du coup, boum, boum, il doit y avoir un truc en dessous. Non? Ah non, il y a rien. Attends, what? QA? Je pense avoir un truc, mais je suis pas sûr.
Ouais, je me suis planté encore. Mais je vois le principe. En fait, faut que je me mette sur le... sur le la plateforme qui apparaît. Voilà, boum. Et là, il faut juste que je me mette sur la plateforme et que j'y bouge plus en vrai. D'accord. C'est ça qu'il fallait faire. La distance entre les plus brillantes. Ça pose pas mal de questions tout ça. Hein. Et ben vous aurez la suite YouTube dans le prochain épisode, donc épisode 8 ou 9. Je ne sais pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye YouTube. Et n'oubliez pas mes pouces bleus et les commentaires avec vos théories. Bye bye.